Mont Ventoux. Velen zijn mij reeds de berg op voorgegaan. Dichters en wielrenners in bonte stromen hebben voor mij de Mont Ventoux gedaan. En ook na mij zullen er nog velen komen. De Mont Ventoux is een verschrikking, is een onmenselijke kool. Het symboliseert een beetje de zwaarte van die berg, denk ik. Hè? Dat je daar kunt overlijden. Hij werd in de 14e eeuw al door een monnik de weg naar de hel genoemd. Hij wordt de Kale Berg genoemd, want de top ziet er zo uit. Boven de boomgrens is er niets dan kalksteen. Een maanlandschap ontstaan door de mistral, de wind die de helft van het jaar met snelheden van soms 250 km per uur alle leven van de top van de Mont Ventoux blaast. De Kale Berg is een verschrikking voor iedere wielrenner. Legendarische toerwinnaars als Eddy Merckx, Ferdy Kuepler en Miguel Indurain gingen er bijna ten onder. Het bekendste slachtoffer van de Mont Ventoux is natuurlijk de Engelsman Tommy Simpson. Hij overleed 3 kilometer onder de top tijdens de Tour van 1967... als gevolg van uitputting, oververhitting en amfetaminegebruik. Zo er een hel van het noorden is, dan is de Ventoux de hel van het zuiden. Oké, guys. Oké, special day, de Mont Ventoux. Everybody knows that climb. And today we have with Robert. We have a good guy to have a good result. Now everybody knows when we come on the last climb, fourth category, then it's 6.5 km till Bédouin. And there the Mont Ventoux starts. What I want there is that some guys try to stay as long as possible with Robert. The first 3 km is not that hard. It starts after that in when you come in the woods. En de steepest parts are coming. Iedere wielrenner droomt van de Ventoux. Van een junior tot een grote prof. Hoe was die droom van jou ooit? Nou, een droom. Ik denk dat het meer een nachtmerrie is voor iedereen als je hem eenmaal opgereden hebt. Want het is echt verschrikkelijk zwaar. De Tour de France is een droom om te rijden. En dan alles wat daarbij komt, dat is speciaal. En de Mont Ventoux, het was een tijdrit. Dus dat was wel heel apart. En ja, de tijdrit is voluit. Dan ga je gewoon 3 keer dood. Dus dat ben ik toen ook gegaan. Het is natuurlijk een heel apart gezicht ook. Als je daar al die aanloop er naartoe. Dan in de verte dan doemt hij al op. Het is niet zo dat je daar in het hoge berg zit. Waar de ene berg naar de andere ziet. Dus in de verte zie je hem al opdoemen. En ja, het is heel speciaal. Ik denk dat je dan als je uit die bos komt. En je ziet dan de echte top. Dan ja, dit is met geen andere berg te vergelijken. Het is allemaal open, dus je denkt van nou, we zijn er bijna, maar het is nog een klerend. Le Ventoux, ce n'est pas qu'une pente à escalader. C'est une terre vivante où il y a une faune et une flore extraordinaires. Mais également, c'est une terre qui a inspiré de nombreux écrivains et de nombreux poètes. À partir du XIVe siècle avec Pétrarque, mais tout au long des siècles, des grands poètes français, René Char, Jacques Reda, même Victor Hugo, ont été inspirés par les pentes du Ventoux. Et je crois que c'est important de dire que derrière l'aspect très médiatique du Tour de France, tous les autres jours de l'année, c'est une terre qui reprend son mystère et qui reste présente pour des regards qui ne sont pas forcément sportifs, mais des regards littéraires et parfois des regards spirituels. Je m'appelle Eric Arétous, je suis né à Carpentras, j'habite à Flassan, un petit village de 300 habitants. Donc j'ai commencé le vélo à 14 ans, j'en ai fait jusqu'à 34 ans. J'ai fait 12 années chez les professionnels et j'ai gagné donc le Tour d'Espagne. J'étais 2 fois champion de France, j'ai gagné 2 fois le Tour du Haut Var. Depuis 15 ans, je suis viticulteur. En ce moment, donc, on ramasse les cerises. Là. Dans tout le mois de juin, on ramasse les cerises.
Donc comme j'ai gagné 3 années de fil le Ventoux, c'est ce qui m'a permis de m'appeler l'homme du Ventoux, en plus comme j'habite au pied et que je connais très bien, c'est ce qui m'a révélé au grand public. En plus mon nom il rime avec le Mont Ventoux, ça tombait bien car il est tous du Mont Ventoux. Et bon, c'est sûr que tous les matins quand je me lève, même maintenant, je regarde tout le temps pour regarder le temps qu'il va faire dans la journée, puis même pour le plaisir des yeux, parce que le Ventoux il n'est jamais de la même couleur. Là, aujourd'hui, il va être vert, demain, il va être bleu, suivant le ciel. Dans l'hiver, il est marron, après, il est un peu jaune quand les feuilles tombent. Et donc, il change tous les jours parce que le Ventoux change. C'est pour ça que j'ai plaisir à regarder plusieurs fois par jour, même encore maintenant. Voilà, donc là, on sort du virage Saint-Estève et on rentre dans le vif du sujet. Donc, on est au pied du Mont Ventoux. Et on sait de suite si on est bien ou non, parce que donc, au bout de 500 mètres, comme la difficulté tombe commence directement entre 8 et 10%, on sait de suite si on va être bien dans la montée ou mal. Et donc là, on a 10 km jusqu'au chalet Reynard, où on n'a pas un centimètre qu'on peut récupérer, parce que la moyenne, c'est entre 8 et 10% jusqu'au chalet Reynard. Voilà, et là, c'est ici qu'on rentre dans la forêt du Mont Ventoux, la forêt d'Aumagnal. Et souvent, c'est ici que les coureurs manquent d'oxygène pour monter le Ventoux. Et donc, ceux qui vont faire le groupe Péto, je pense que c'est ici qu'ils vont commencer à crier. Staande in zijn auto met een tropenhelm op het hoofd, gaat meneer Godet even buiten Marseille het start zijn voor de tocht naar Avignon. Een etappe van 198 kilometer met een verschrikkelijke berg erin, de Ventoux, die in een blakerende hitte beklommen moest worden. Louison Bobet dacht hier zijn slag te kunnen slaan. Eenzaam, maar ook moeizaam klom hij voor het peloton uit naar boven. Toch had hij op de top maar 50 seconden voorsprong. En hij moest nog bijzonder hard fietsen om deze voorsprong tot de finish in Avignon te behouden. Bobet was volkomen uitgeput. En de gele trui kwam nog niet in zijn bezit. C'est la conjugaison souvent de la chaleur et puis de l'effort. Mais il se trouve qu'en 55, on ne parle pas encore de lutte antidopage. Mais les coureurs prennent des produits. On signale dans l'entourage des grands coureurs des gens qu'on appelle des sorciers. C'est-à-dire ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas pharmaciens, mais ils donnent des produits, on ne sait pas ce que c'est très mystérieux. Et à cette époque-là, quand le Tour de France aborde le Ventoux, eh bien, certains coureurs vivent des défaillances incroyables. Il y a le Suisse Ferdi Kubler, qui a été vainqueur du Tour en 1950, qui part très vite et qui a une défaillance, il est accompagné par Geminiani. Geminiani lui dit « Attention Ferdi, le Ventoux n'est pas une montagne comme les autres » et Kubler lui dit « Mais Ferdi n'est pas un coureur comme les autres ». Mais quelques kilomètres plus haut, il a une défaillance et il perd un temps fou et il arrivera à Avignon à la fin de l'étape avec beaucoup de retard. Et quand il est arrivé à Avignon, il était dans un état encore de grande fatigue et il a dit « Le Ventoux a tué Ferdi ». Cette ascension, il pourrait plus faire de vélo et il a arrêté sa carrière guère de temps après. Mais outre Kubler, il y a le français Maléjac qui lui tombe, s'évanouit et il ne recouvrera la conscience, sa connaissance qu'à l'hôpital à Carpentras plusieurs minutes après. Et le docteur du Tour précise qu'il a cru que Maléjac allait mourir, tellement il était dans un état pitoyable.